Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Croche Lundière. Aujourd'hui, unboxing, mon partenariat avec la compagnie FG Normal. Écoutez, la compagnie m'a envoyé des trucs, ça coche, je vous présente ça. C'est des choses que j'ai pas vues ailleurs. Ils ont communiqué avec moi il y a pas si longtemps pour me dire là, que il y avait plein de nouveautés et tout, là, autre que du diamond painting. Ben, c'est du diamond painting, mais vous allez comprendre, là. C'est un petit peu différent là, de ce qu'on trouve, là. On s'entend, là, il y a des bacs de rangement, là, il y a des signets. Tu sais, il y a des choses, là, que c'est commun, qu'on voit beaucoup. Mais là, moi, ce que j'ai, il y a des trucs que j'avais jamais vus. J'ai très, très hâte de vous montrer ça. Je mets ça ici à côté de moi. Je vais commencer par du déjà vu, mais je veux dire, moi, j'en ai jamais eu. Donc, en premier, qu'est-ce que j'ai choisi? Parce que c'est tout moi qui ai choisi. La compagnie m'a vraiment laissé le champ libre, m'a dit, garde, va te choisir des trucs. Donc, j'en ai profité et je voulais essayer des choses que j'avais pas. Donc là, ici, ce sont des cartes de vœux. Alors, je me souviens plus combien j'en ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 cartes de vœux. Ça, je veux dire, c'est des cartes de vœux assez standards, là. Ça, va falloir que je me parte un petit rangement avec les perles parce que, bon, c'est des perles, là, comme un diamond painting, dans le fond, là, ça va être des numéros qui vont revenir d'une carte à l'autre. Et puis, je vais devoir là, me prendre un petit organisateur pour ça parce que je ne les ferai pas toutes, là, au début, là, je les ferai pas toutes là, en même temps. Je veux dire, si j'en ai besoin d'une, je vais en faire une. Là. Ça va dépendre là, laquelle que je vais choisir. Donc, j'ai les diamants. J'ai là, le petit kit là, de départ là, avec des petits sacs réutilisables. Mais c'est sûr, je ne me servirai pas des petits sacs. Je vais vraiment mettre ça dans un de mes petits organisateurs. Là, j'ai des diamants, j'ai des perles normales, OK? Des perles rondes. Puis, j'ai des diamants spéciaux. Donc, il y a vraiment là, les deux là, sur les cartes, c'est mélangé. Fait que je vais vous montrer là, les cartes là, qui se trouvent à l'intérieur. Écoutez, ce que j'ai aimé, c'est que c'est pas un thème en particulier. Exemple, des cartes de Noël, juste des cartes d'anniversaire. Là, c'est des cartes, là, il n'y a rien d'écrit, c'est vierge. Fait que je m'en sers, puis j'écris qu'est-ce que je veux, moi, dedans. C'est ça, moi, que je recherchais, puis que je trouvais pas nécessairement parmi beaucoup de cartes de vœux là, que je trouvais. Là. Il y avait tout de quoi. C'était tout Happy Birthday, ou tu sais, il y avait tout quelque chose d'écrit. Tandis que là, j'ai une image sur le dessus. OK, Best Wishes, qui est écrit voyons, en arrière, exemple. J'en ai, c'est Happy Birthday, mais je veux dire, j'en ai qu'il n'y a rien. Les autres kits qu'il y avait, exemple, c'était toutes Happy Birthday, toutes des cartes de Noël, toutes des cartes de Pâques. Là, j'avais vraiment comme un mélange. Moi, c'est ça qui me plut, parce que je me suis dit, là, j'en ai pour toutes les occasions. Donc là, je vous montre la première ici, la petite ballerine. Ouais, là, avec le reflet de la fenêtre. C'est pas winner, winner, mon affaire. Donc, je vais garder cet angle-là. J'ai le perroquet ici, qui est super beau aussi. Tu sais, je veux dire, celle-là, il n'y a rien du tout. Là. Fait que moi, là, je fais ce que je veux avec la carte. Tu sais, c'est même pas écrit « Best Wishes ». Il n'y a rien, rien, rien écrit dessus. Celui-là ici, c'est écrit « Best Wishes ». Mais c'était ça, c'est allant au verso. Là. C'est à l'arrière. Là. Donc, c'est pas grave. On peut s'en servir pour qu'est-ce qu'on veut. Là. Donc, ici, on a un Happy Birthday. Le Happy Birthday, il est écrit à l'arrière aussi. Il y a un petit gâteau en avant, mais c'est pas grave. Ça n'en prend quand même là, pour des cartes d'anniversaire. Celui-là ici, donc, Thank You. Donc, ça, je peux m'en servir aussi là, pour à peu près n'importe quoi. Un autre petit Happy Birthday. Un autre aussi ici qui est vraiment cute avec des cupcakes. Soit dit en passant, c'est la fête à ma soeur dans pas long, puis celle à mon papa. Fait que je pense qu'il y en a deux, en tout cas, qui vont servir dans pas longtemps. Un autre Happy Birthday. Et tu sais, voyez-vous, j'en ai quatre. Puis là, je vais en passer deux dans vraiment pas long. Fait que, tu sais, c'est parfait. C'est ça que j'aime, là, que ça soit mélangé. Comme là, ici, là, ça, c'est un papillon, là. Il n'y a rien d'autre, là. C'est décrit. Celui-là ici, meilleur vœu, puis thank you à l'avant. Mais tu sais, je veux dire, ça peut servir pour un swap et tout. Ça, là, c'est parfait. Celle-là ici, c'est écrit « Thank you », est vraiment belle. Et puis, celle-là aussi, c'est écrit « Thank you », elle aussi est très, très, très jolie. Fait que tu sais, j'aime bien là, vraiment là, de la variété du mix, du paquet. Moi, c'est ça qui m'a attirée parce que, bon, c'est ça. Souvent, c'est tout... si tu veux avoir des cartes de fête, ben ils vont être toutes les 12 des cartes de fête. Si tu veux avoir des cartes de Noël, ça va être toute la même affaire.
ça, à un moment donné, tu sais, je sais pas. Là, ben, ça te prend, tu sais, je veux dire, quatre ensembles de cartes différents, là. J'étais comme bof! Donc là, j'ai tout dans le même. Je suis super contente d'avoir reçu ça. Je laisse ça pas trop loin. J'organise ça quand même bientôt. Je vais la faire avec vous, sûrement, ma carte en Diamond Painting, là, pour la fête à mon papa. Parce que la fête à mon papa, là, c'est milieu mars, là, même, je dirais plus là, vers le début mars. Donc, va falloir que je fasse ça quand même bientôt. Hein? Ça va s'en venir, là. Ensuite de ça, qu'est-ce que je veux vous montrer? Un autre bac de rangement. Alors, vous le savez, moi, je suis accro à ça. Là, les bacs de rangement, ça va tellement bien dans mon étagère que je peux mettre full de stock dedans. Celui-là, ce qui me fait triper, c'est que contrairement aux modèles qu'on voit sur pratiquement 90% des sites qui ont des bacs de rangement, les modèles, c'est à peu près toutes les mêmes affaires. C'est toutes des partiels avec des diamants spéciaux. Là, moi, celui-là, je ne sais pas si vous voyez, là, à cause du super reflet. Oh, on va y arriver, on va y arriver. C'est un diamond painting au complet. Vraiment, là, il n'y a pas de diamants spéciaux, là. C'est tout à driller, là. Je ne sais pas si vous êtes capable là, de bien voir, là, si j'approche, là. Ouais, regardez, là. Fait que c'est tout un diamond painting au complet. Fait qu'il n'y a pas de diamants spéciaux dessus, là. Fait que ça, c'est vraiment cool, là. Parce que, bon, là, je ne sais pas c'est quoi la dimension, là, mais mettons que ça ressemble pas mal à un diamond painting, un 20 par 20. Fait que c'est comme un petit diamond painting. Fait que, tu sais, ça sera pas quelque chose que je vais faire en un après-midi, je vais le faire en plusieurs fois. Fait que c'est pour ça que j'étais contente, parce que la plupart, mais c'est pas mal tous les mêmes modèles qui reviennent, puis c'est toutes des affaires partielles. Là, j'ai vraiment une surface au complet en diamond painting. J'ai très, très hâte de voir ça terminé. Je suis sûre que ça va être sacoche. C'est clair que ça va être vraiment, vraiment beau. Puis un bac de plus pour... mon étagère, là, pour mon rangement. Donc, je vais être rendue à 3 bacs de rangement. C'est génial. Écoutez, j'en ai jamais de trop de ça. Hein? On trouve tout le temps une place où mettre ça avec du stock à mettre dedans. Puis là, moi, avec toutes mes affaires de bricolage et tout, même avec des diamond painting, là, que j'ai en stock et tout, je vais me servir de ça. J'ai des étagères, là, au sous-sol. J'ai des étagères au premier étage aussi, là, que j'ai de la place dedans. Et puis, je suis sûre, là, au premier, là, j'ai une étagère, là, qui est comme en plastique. Je peux pas mettre des choses, là, qui sont trop pesantes. Puis, j'ai une bonne distance entre les tablettes. Fait que mon bac, je vais pouvoir mettre des diamond painting debout. Fait que quand je vais vouloir aller voir ce que j'ai en inventaire et tout, ça va super bien aller, là. Je suis en train de m'organiser, là, puis c'est ça. Je veux vraiment me faire une étagère à diamond painting avec mon over. Donc, ça peut vous donner une petite idée de combien je peux avoir de toiles à la maison. Je ne les ai pas comptés et je ne les compterai pas parce que je veux même pas y penser, je veux même pas savoir comment j'en ai. Je sais que j'en ai trop, point à la ligne. Là, il me reste 2 articles, ok? Il y en a un, c'est vraiment un article chouchou, donc je vais le garder pour la fin. Là, je vais vous montrer un diamond painting que j'ai choisi. Ce diamond painting-là m'a vraiment attiré au premier coup d'œil. Quand je l'ai vu, j'ai fait comme « Oh, ok, je le veux ». Je ne l'ai pas retrouvé nécessairement sur d'autres sites. Je ne l'ai pas vu ailleurs. Là. Je l'ai vraiment juste vu chez FG Normal pour le moment. Bon, je vais prendre mon petit exacto. Je vais faire attention pour ne pas l'abîmer. C'est une très grande toile. Ça va être quelque chose quand même de relativement long à réaliser. Bon, naturellement, j'ai pas la dimension éroulée, là. La dimension est vraiment comme ici à l'intérieur. Bon. Donc, cette toile-là est symbolique pour moi. Je vais vous la montrer. Donc, il y a du diamant. Après ça, c'est une 40 par 80. Bon, je me souviens que c'était quand même assez long. Donc, je veux vraiment vous le montrer, là. Vous voyez bien. C'est l'aile d'un ange. C'est une aile d'ange, dans le fond. Cette toile-là, c'est l'aile gauche, dans le fond. Et puis, pourquoi l'aile gauche? Il y a les deux. Il y a l'aile gauche et il y a l'aile droite. Moi, j'ai choisi l'aile gauche parce que, bon, côté gauche, le côté du cœur. Et puis, cette toile-là, quand je l'ai vue,
J'ai une armoire ici là qu'on ne voit pas en arrière. C'est une armoire là toute en vide. Bon, on la voit un petit peu dépassée, là, mais j'ai comme un peu là, mon petit sanctuaire, si on veut, là, dedans, là, la première tablette. Parce que la lumière est munie. Voyons, la lumière, l'étagère est munie d'une lumière dans le haut, une lumière LED qui diffuse partout. Ça fait super beau. C'est vraiment un genre d'étagère là, style présentoir là, pour magasin ou en tout cas. Et puis j'ai tout installé, toutes les cartes, là, t'sais, mes grands-papas, mes amis, t'sais, je veux dire, là, toutes les personnes là, que je connaissais qui sont décédées. T'sais, j'ai comme vraiment là, la première tablette, là, celle qui est sous la lumière. Là, t'sais, j'ai un petit cadran, c'est comme un ange avec des ailes. T'sais, je veux dire, là, toutes sortes de choses. J'ai un cierge. T'sais, c'est ça. J'ai comme vraiment ma petite tablette. Et puis, quand j'ai vu ce diamond painting-là, j'ai accroché tout de suite. Puis, je me l'ai comme tellement imaginé encadré, là. Puis sur le mur, là, ici, là, dans le fond, là, vous voyez comme le début de l'étagère, puis mon étagère blanche là, avec mon voile blanc là, pour cacher mon bordel de bricolage. Mais je verrais tellement le cadre là au mur entre les deux. C'est officiel que ça va être ça. Ça va être un cadre blanc en plus pour faire sortir le blanc là, de l'aile. Au début, je m'étais dit, hein, je pourrais acheter les deux et mettre deux ailes, mais je me suis dit non, ça va être trop collé, ça va être trop pogné. J'en veux juste une. Puis tant qu'à en acheter une, ben, je me suis dit, c'est ça, l'aile gauche dans le fond pour l'aile du cœur, parce que c'est des gens que j'ai aimés, que je porte dans mon cœur, qui sont, c'est ça, sont plus avec moi, mais sont là quand même. C'est pour ça que c'est très, très, très symbolique cette toile-là. Quand je l'ai vue, ça a comme été, oh, OK, comment je fonctionne avec mes partenariats, là, quand que j'envoie là, mes suggestions. Mais tu sais, je fais comme, je copie le lien, là, l'URL dans le haut là, du navigateur Internet, là, l'adresse mail. L'adresse web, dans le fond, là, je fais carrément un copier-coller. Fait qu'eux autres, après ça, bon, ben, ils regardent puis ils savent de quel produit que moi j'ai choisi. Puis celui-là, écoutez, là, dans le mail que je leur ai envoyé avec mes suggestions que je voulais, ça a été le premier en tête de liste. Je le voulais tellement, là, j'étais comme, OK, non, celui-là, ça me le prend. Je suis très, très, très contente qu'il soit dans l'envoi. Quand j'avais vu la toile, j'ai vu qu'est-ce que j'avais à l'intérieur, puis j'ai vu la toile, le format, là, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est sûr qu'ils me l'ont mis celle-là, parce que j'avais mis deux, trois autres choix, mais des plus petites toiles. Fait que là, quand j'ai vu là, que le paquet, j'étais là, oh oui, c'est mon aile d'ange, je suis super contente. C'est des diamants ronds. Ça va être beaucoup du bleu marin et tout, des couleurs quand même plus... Il n'y aura pas de rose, de mauve, mais c'est pas grave, je la regarde puis je suis comme wow, là, je me l'imagine tellement là, sérieux, ouais, c'est ça. Ça va être vraiment très, très, très significatif, cette toile-là, ça va être une des prochaines que je vais commencer parce que bon, j'ai un projet très, très, très précis. Je me donne pas de temps non plus pour la faire, si ça me prend un an, ça me prendra un an, mais cette toile-là, ça va être une toile que je vais faire là, à tête reposée. De temps en temps, je vais faire un vlog, mais tu sais, ça sera pas une toile que nécessairement je vais faire vraiment full, full, full en vlog. Tu sais, je vais te dire probablement que lorsque je vais travailler dessus, que je vais tomber dessus, je vais probablement tomber dans mes pensées et tout. Et puis, tu sais, c'est ça. Ça va être quelque chose qui va être vraiment très agréable à faire. Puis, je veux dire, je vais avoir comme une certaine sérénité là, lorsque je vais faire ça là, je vais être tranquille et tout, donc vraiment là, j'ai très 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 hâte de la commencer parce que j'ai vraiment très hâte de l'avoir au mur. Ça va comme tellement là, me semble en plus comme que je vais rentrer dans mon bureau, tu sais, je vais l'avoir là. Ouais, ça, j'ai vraiment vraiment flashé, puis je veux dire, j'ai plein de toiles, j'ai pensé à plein d'affaires et tout, puis on dirait que ça, j'ai comme jamais pensé à ça. T'sais, j'ai fait mon petit coin et tout, là, puis tu sais, de mettre quelque chose en diamond painting autour, là, ça m'a comme, quand j'ai vu la toile avec les deux toiles, dans le fond, là, il y était une à côté de l'autre sur le site internet avec les îles d'ange, j'étais comme, oh wow, ok, ça me la prend. J'ai comme, je comprends même pas de même pas avoir pensé à ça. J'ai toutes sortes d'affaires, mais j'ai pas d'ange. Fait que, sérieux, ouais. Un très, très, très beau projet. Donc là, vous vous demandez, c'est quoi mon affaire chouchou, hein, si je vous ai montré ça, que, tu sais, cette toile-là, là, que c'est vraiment quelque chose d'important, puis tout. C'est pas quelque chose de wow, comment je pourrais dire ça, c'est quelque chose d'inattendu, que j'ai pas vu sur aucun autre site, que je trouvais vraiment cute en plus. Hein, là, vous vous dites, de qu'est-ce qu'elle parle, qu'est-ce qu'elle a dans son sac? Le quatrième et dernier item,
Tadam! Une petite sacoche. Je trouvais ça vraiment cute. Écoutez, ça sort de l'ordinaire. Je vais la déballer parce que là, on voit juste le reflet du plastique. Donc, voici. Il y a même des petites ganses en arrière toutes, là. C'est vraiment comme une petite sacoche, là. Tu sais, je veux dire, t'as la petite poignée ici, là, pour la tenir, là. Mais tu sais, si je veux, là, je la prends, là, puis je la mets sur mon épaule, là. Puis ça, c'est vraiment, là. Puis quand même, la place, c'est quand même pas pire, là. Il y a quand même... écoutez, là, il rentre une couple de trucs, là. Mon portefeuille, il rentre là-dedans, easy, là, avec deux, trois trucs, là. C'est... quand je l'ai vu, j'étais comme, hein, c'est donc bien cute. Puis si je me trompe pas, là, il y a une couple de modèles, là. Il y a pas juste celui-là. Donc, à l'intérieur de la sacoche, naturellement, là, j'ai le petit kit traditionnel, là. Et puis, j'ai les petits diamants spéciaux. C'est tous des petits diamants cristal, là, des diamants spéciaux. Je vais les remettre dedans, là, pour pas les perdre. Donc, je vous le montre un petit peu de plus près. Question que vous voyez mieux. J'en vois beaucoup qui font des diamond painting là, avec ces genres de petites poupées-là. J'en ai déjà fait une dans mes premières toiles que j'ai faites. Là. Puis je sais pas, je la trouvais cute. Puis je trouvais que ça sortait de l'ordinaire aussi, le fait que ce soit comme une petite sacoche. J'ai vu bien des affaires, bac arrangement et tout. Je veux dire, j'ai vu des étuis à lunettes. Tu sais, j'en ai une en plus, petite boîte à bijoux et tout. Mais une petite sacoche, c'était la première fois que je voyais ça sur un site. Pour ça, j'étais comme, ah, c'est donc bien cute. C'est pour ça que je l'ai pris. Et puis, aussi, je veux tester. Parce que là, j'ai testé sur les bacs à rangement. J'ai testé mon coffre à bijoux. J'ai testé les signets avec mon vernis tout usage en spray. Mais là, là, ça va être une première. Je vais tester. C'est comme du cuir. Oui, c'est comme imprimé sur le cuir, mais c'est pas grave. C'est pas comme les bacs à rangement que c'est comme du tissu. Donc, j'ai très, très hâte aussi de voir qu'est-ce que ça va faire là-dessus parce que c'est vraiment, je vais le vernir avec mon vernis, là, mon Liquitex, là, mon vernis tout usage. Fait que ça aussi, ça va être un peu un test en même temps. Fait que ça, surveillez ça, là, d'après moi, dans pas ben, ben long, là, je vais la faire parce que ça sera pas long. Là, je regarde les diamants, là, puis t'sais, je vais dire, mec, j'ai passé, là, 2 heures là-dessus, là, t'sais, c'est sûr que c'est fini, là. Fait que sûrement là, que je vais faire ça en vidéo là, avec vous. Et puis, tu vas avoir comme d'habitude une petite partie un peu en avancée. Là. Elle est vraiment cute en plus, cette petite poupée. Je vous la remonte encore là, de plus près. C'est-tu pas beau, hein? Donc, sur ce... très 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 contente de ce que j'ai reçu de mon partenariat avec FG Normal. Plein de trucs. Écoutez, là, ça va me faire plein de beaux vidéos dans pas long. Ça, je le fais avec vous. Ça, je le fais avec vous. Ça, j'en ai deux à faire. La fête à mon papa, c'est au mois de mars. La fête à ma soeur, c'est au mois d'avril. Fait que ça, va falloir que je fasse ça quand même là, d'ici peu. En tout cas, celle pour la fête à mon papa. Ça aussi, c'est sûr que je vais commencer ça. La toile d'argent, je vais peut-être attendre encore un petit peu, tout simplement parce que j'en ai quand même beaucoup là, présentement là, de commencer, si on veut. Et puis, celle-là, ça va être quand même un gros projet. J'ai la toile qui m'avait été offerte par Mélissa, là, les roses blanches aussi, là, que faut que j'avance. Écoutez, là j'ai comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets de commencer. Et puis, c'est ça, le moment donné, il faut que tout, là, on dirait là, que j'ai, ça, j'ai starté là, comme 50 millions d'affaires en même temps. Là. Puis là, je veux comme donner du jus à tout en même temps. Mais là, il va falloir que je fasse des choix à un moment donné. Mais bon, c'est pas grave, là, c'est juste, c'est moi là, que, on dirait que je suis en ébullition, là, présent, ces temps-ci, là, j'ai comme plein d'idées. C'est pas grave, je me dis, garde, je vais me faire un cahier et tout, puis je vais tout écrire ça. Puis quand que, justement, je vais avoir des petits bouts que là tu sais, je vais avoir moins d'idées, moins d'inspiration, de quoi, ou que je vais un peu plus comme tourner en rond, puis me dire, ah, tu sais, qu'est-ce que je préfère, ou de quoi, ben, tu sais, je vais aller piger là-dedans, là, et puis je vais pouvoir sortir plein de vidéos, parce que là, je veux vous faire comme plein de petites vidéos, des capsules pour vous aider, des trucs, des choses comme ça. Au travers, je veux avancer mes toiles. Tu sais, quand je sors mes toiles, on dirait que c'est plus fort que moi. Faut que je sorte ma caméra, faut que je m'installe, faut que tu sais, il y a un vlog, quelque chose. Mais c'est ça, on dirait là, que je veux comme trop en montrer en même temps. Et puis là, j'ai comme pas assez de temps pour tout faire. C'est pas grave. C'est des choses qui arrivent, écoutez. c'est juste moi là, que c'est un cycle, wouhou!
j'ai du stock là encore, là, plein de nouvelles affaires. Fait que là, j'ai tous mes projets, toutes mes affaires que j'avais prévues. Puis là, ben, j'ai tout ça qui est nouveau, puis qui me tente, puis que je suis comme, j'aurais le goût de tout tasser, de faire ma sacoche, faire mes cartes, faire mes affaires. Fait que c'est pour ça que là, ça me prend un planning maintenant. J'ai trop d'affaires, trop de projets. Fait que là, je planifie. Bon, une vidéo de ça, ça, ça. Tu sais, je me mets des idées. J'aurais jamais pensé ça, mais c'est ça. Écoutez, ça déborde ces temps-ci, là. Wouhou! Tant mieux, parce que à un moment donné, quand c'est tout le temps la même affaire, quand ça vient tout le temps du pareil au même, ça vient plate. On se tanne à un moment donné, là. Je sais pas comment dire ça, mais je veux dire, oui, quelqu'un qui va parler tout le temps plein d'affaires, puis tout, ça va être le fun, mais je veux dire, tout le temps le même genre de concept, les mêmes vidéos, les mêmes affaires et tout. Tu sais, c'est le fun que ce soit un peu plus grand là, le cercle là, autour, là, tu sais, je veux dire, là, tu sais, du coloriage, mais j'expérimente des nouvelles affaires et tout. Tu sais, je veux dire, là, c'est ça. Là, je commence, là, vraiment, là, j'y vais un petit peu plus at large, là. Tu sais, je veux dire, il va y avoir encore les vidéos traditionnelles de vlog, de diamond painting et tout, là. C'est juste que, tu sais, j'aime ça que faire un mix puis qu'il y ait plein d'affaires. Je trouve ça divertissant. Et puis, c'est ça. Ces temps-ci, là, avec ma vie personnelle, là, tout ce qui se passe, tout ce qui bouge, là, on dirait que ça me donne comme plein d'idées. Je pense à plein d'affaires et tout. Et puis, le fait aussi là, que je suis au marché aux puces à Saint-Hyacinthe, au kiosque de Hobby Depot, là, le magasin Hobby Depot. Dans le fond, j'ai des questions. Il y a des gens qui me demandent des conseils, des affaires. Fait que ça aussi, là, écoutez, là, ça me donne énormément d'idées. Fait que c'est pour ça aussi que je vous dis que j'ai comme plein d'idées ces temps-ci. Là. Tu sais, je vais là-bas un peu. Là, et puis, là, c'est ça. Il y a des questions qui m'est posé des affaires. Puis là, on dirait, je suis comme, hey, ça, faudrait que je me dise ça en vidéo. Ça, je voudrais que je dise ça en vidéo. Tu sais, il y a des gens aussi qui me mettent des commentaires, qui me posent des questions. J'en ai qui m'envoient des mails, qui me posent des questions en privé et tout. Donc, c'est pour ça, là, j'ai comme full d'affaires. Ces temps-ci, donc plein de belles vidéos. Au travers, j'ai mes partenariats avec les compagnies, tu sais, FG Normal, GBFKE, tu sais, j'en ai plein de partenariats aussi, et puis je veux un peu travailler sur qu'est-ce que un peu tout le monde m'envoie, si on veut. Mais là, avec FG Normal, écoutez, c'est ça. Là, ça met la barre un peu haute là, pour les autres, parce que ça, là, moi, je trouve ça, ça accroche. Là. Qu'est-ce que j'ai reçu là? Qu'est-ce que j'ai choisi là? Ça m'épate. Et puis, lorsque je vais avoir d'autres propositions, là, j'ai bien hâte de voir, parce que là, ces temps-ci, on dirait là, que là, ça sort le matériel, là, les nouvelles affaires et tout. Là, il y a full de choses. Donc, c'est méga génial. Et puis, même chose aussi là, pour les autres compagnies. Là, on dirait là, que comme là, il y a de la compétition. Là. Plein de monde, là, qu'il y a plein d'affaires, là. Je trouve ça super, continuer, parce que moi, je veux continuer d'être épatée à ce point-là. Je veux continuer d'ouvrir ça, puis avoir là, l'impression d'être comme une gamine, puis être toute contente, puis j'ai autant de, t'sais, d'affaires, puis ouais, je suis vraiment, là, ça paraît pas tant que ça, là, aujourd'hui, là. Je suis un petit peu fatiguée. Puis en plus, c'est tout blanc dehors, il y a un peu de soleil, mais pas tant, là. Là, on dirait, moi, j'ai les yeux pères, hein, fait que je suis comme, j'ai de la misère, puis là, je suis en train de me dire, je regrette, j'aurais dû fermer mes rideaux. Vous auriez pas eu le reflet sur les plastiques, sur les affaires, mais c'est pas grave. Écoutez, moi, j'étais pressée, j'ai sorti la caméra, j'ai ouvert un peu le sac avant, là, puis j'étais comme, j'ai regardé dedans, ok, vite, on sort la caméra, on sort ça, je veux voir mes affaires. Fait que c'est ça, j'ai fait ça un peu trop pressé, mais c'est pas grave, vous avez tout très bien vu, puis vous aurez l'occasion d'y revoir, parce que c'est officiel qu'il y a des affaires qui vont se commencer là-dedans dans vraiment pas long. Sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt tout le monde, et puis, écoutez, je dirais que je m'enligne pas mal pour avancer mon défi bonbon de samedi, ça achève aussi, hein, donc il en reste pas tant que ça. La moitié de la toile est faite, là. Écoutez, là, ça défile de même, il me semble. Là. J'ai clenché ça, ce 30 par 40 là. J'ai vraiment aimé ça, là. Une partie comme ça à chaque semaine. Là, on a la moitié faite, là, mais il me semble que ça a passé vite. Contrairement à si j'aurais fait un calendrier de l'avant, un petit carré à tous les jours. On n'a pas nécessairement le temps à tous les jours. Il y a des journées, j'ai pas le temps pantoute. Il y a des journées, je vais avoir le temps au fond pour avancer. C'est tellement pas égal. Fait qu'une partie comme ça par semaine, une bonne partie, là, on dirait que tu sais, c'est juste parfait, qu'est-ce qu'on a fait. Donc, je vous dis à bientôt tout le monde et puis soyez là samedi, hein, pour c'est la partie 4 du défi bonbon. Donc, bye bye tout le monde!